entretien ce soir avec monsieur Manu Amoros. Manu, c'est un grand honneur que tu me fais. Voilà, donc le hasard a voulu vraiment, je savais pas que tu étais là ce soir. Et ce matin, pour mon petit déjeuner, je lisais France Football de 1993, où tu annonçais que tu étais remplaçant à l'OM et que tu envisageais, pourquoi pas, chose qui ne s'est jamais faite, une aventure au Japon. Est-ce que tu t'en souviens de ça? Oh là, il y a longtemps de ça. Hein. 93, oui, il y avait des saison. Ouais, j'avais des opportunités éventuellement, mais bon. C'est quelque chose qui t'aurait plu? Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a toujours une part de mystère quand on part jouer à l'étranger et connaître notre pays, notre façon de vivre, et puis connaître les gens de là-bas aussi. Donc oui, c'était peut-être une opportunité, mais ça, c'est pas fait. C'est pas fait. Non. Je suis allé à Lyon. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. J'ai fini deuxième du championnat derrière le FC Nantes. C'est ça, la première année, parce qu'on y a. J'ai joué deux ans, de 93 à 94, de 94 à 95. Il y avait donc Jean Tigana qui arrivait aussi comme entraîneur. Il y avait Amélie Pellet, Pascal Olmeta, il y avait François Bracci qui était entraîneur adjoint aussi. Et entre ces cinq Marseillais, on a pu faire quelque chose à Lyon, c'est-à-dire on a mis les fondations. Parce que depuis cette période-là, ils ne sont plus redescendus en deuxième division, parce qu'à l'époque, Lyon faisait surtout le yo-yo, il montait, descendait, montait, descendait. Et on est arrivé à stabiliser le club. Manu, quand je pense à toi, je pense forcément à l'Euro 84, hein, ouais. Le coup de tête au début contre le Danemark. C'est marrant parce que les gens ils pensent que ça, j'ai l'impression non, que j'ai fait que ça dans ma carrière. Parce que justement, tu ne m'as pas laissé finir, j'ai pensé également au geste, il me semble que c'était Yvan Leroux qui t'a cédé la place. Non, Battiston. Patrick Battiston qui t'a cédé la place en finale. C'est ça. Donc j'imagine, enfin peut-être pas, est-ce que en équipe de France, ton meilleur souvenir, c'est tout de même cet Euro 84 hein, ou ces somptueuses phases de Coupe du Monde en 82-86. Je te dirais que toute la période où j'ai été en équipe de France, ça a été des périodes assez fastes et assez, assez belles. Parce que je suis resté quand même pratiquement une dizaine d'années, puisque j'ai fait 82 jusqu'en 92 au championnat d'Europe en Suède. Donc j'ai resté 10 ans, donc ça veut dire que j'ai eu une régularité tout au long de ma carrière qui a été importante. 82 sélections. Ouais, j'ai 82 sélections, j'ai deux Coupes du Monde derrière moi, 82-86 et un championnat d'Europe. Et le tournoi du Koweït en 90. Non, mais c'est que des belles périodes. Donc c'est toujours difficile de ressortir un match ou une anecdote de là-dedans parce que ça a été quelque chose de fabuleux. Quoi. Moi, ce que je veux retenir, si tu veux, tout au long de ma carrière, c'est pas les titres, c'est pas les prestations, c'est surtout quand tu travailles pour devenir professionnel. Quand tu es au centre de formation, c'est un combat permanent de tous les jours, un combat très difficile parce que on est nombreux et il y a très peu qui puissent réussir. Donc j'ai eu la chance de réussir et à l'époque le président c'était Monsieur Campora qui était à l'AS Monaco qui est venu me voir et m'a dit écoute je te fais signer pro. Donc voilà c'était ça. Mon meilleur souvenir et le souvenir que je garderai le plus longtemps. Après, les prestations, le travail, les joueurs, tout ça, bien sûr qu'on rencontre des joueurs qui sont fabuleux, comme j'ai pu rencontrer Maradona, j'ai joué contre lui, ça a été des moments fabuleux. J'ai joué avec des grands joueurs, voilà, tout au long de cette carrière. Mais il y a quand même, ça au début où l'opportunité qu'on te donne, il faut la saisir. Je suis arrivé à la saisir et signer pro, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Peut-on dire qu'on parle toujours de Roberto Carlos, notamment comme quelqu'un qui a créé, si je puis dire, un nouveau poste de latéral. Est-ce qu'on peut dire que toi, tu fais partie de ces joueurs-là tout de même? Roberto Carlos, il t'arrive bien après moi. C'est ce que je te dis, mais on retient surtout lui. Avec Maxime Bossis, c'est Maxime Bossis qui a lancé un petit peu cette mode-là, je dirais, où l'arrière latéral montait et venait apporter ce plus supplémentaire. Mais si tu regardes bien Roberto Carlos ou Denis Alves, c'est pas des défenseurs, c'est des contre-attaquants. Ils savent très bien jouer offensivement, mais défensivement, ils ont beaucoup de lacunes. Mmh, alors que nous, on était complets autant défensif et que offensivement et quelque part on savait quand est-ce qu'il fallait monter ou pas parce qu'aujourd'hui tu vois les deux latéraux ils montent, l'autre il centre, l'autre il reprend et on t'apprend pas ça à l'école au centre de formation, on t'apprend qu'il y en a un qui monte,
l'autre doit rester en couverture, parce que sinon il reste les deux centraux, et s'il y a une contre-attaque, il peut être toujours en difficulté. Donc voilà, après, quand tu as une équipe qui a le ballon en permanence, c'est sûr que tu te projettes davantage, un peu comme le Real de Madrid à l'époque de Roberto Carlos, qui se projetait beaucoup au niveau offensif, parce qu'ils avaient énormément le ballon, ils avaient pratiquement 70 à 80% le ballon. Donc quand il y a une équipe comme ça, donc les latéraux, ils peuvent participer. Mais après, c'est au milieu de terrain de pouvoir aussi combler ce manque sur les côtés. Et ma dernière question, et après je t'embête plus parce que je sais que tu es pressé par le temps. Pour toi, la meilleure équipe de l'OM, c'est laquelle? C'est celle de 91, malgré le traumatisme de Barry à la fin, ou celle de 93? Non, qui c'est, remporte... c'est pas celle-là, c'est même pas cette demi-finale. C'est l'équipe où on a été éliminé contre Benfica. Ça c'est 89-90. Voilà, la même de Bata. Je crois qu'on avait, c'est la meilleure équipe, je pense que l'OM a eu. Pourquoi elle est supérieure à celle d'après Alors elle est supérieure à celle d'après, et celle d'après, la finale de Barry, est supérieure à celle de 93. Bon, voilà, on peut pas revenir sur le passé. Si tu veux, je pourrais dire que 93 c'est l'équipe. Je dirais la plus faible des deux qu'on vient de dire, qui l'a gagné. Mais c'est très bien. C'est comme en 98, l'équipe de France qui gagne. Alors, il y avait des super joueurs, mais on aurait aimé en 82, on était plus proche, parce qu'on venait 3-1 aux prolongations, de pouvoir la gagner. Mais bon, après, chacun vit avec sa génération. Et bien sûr que chacun peut dire que l'équipe où il a vécu est supérieure à une autre. Mais c'est vrai que moi je pense que celle de où on s'est fait éliminer contre Benfica, la main de Bata était quand même très bonne, ouais, très forte. Voilà, c'est terminé. Merci. Je le dis. Merci à vous. Et je le répète, hein, c'est un rêve de gosse qui s'est réalisé ce soir. Ben tu vois, comme quoi, hein. C'était inattendu en plus. Ben voilà, hein. Et de ton époque de 84, j'avais déjà interviewé Bruno Bellone et j'avais des étoiles dans les yeux. Eh oui, Bruno, on a commencé au centre de formation ensemble. À Monaco ensemble, ensemble. J'imagine beaux souvenirs avec lui. Ah ben, super souvenir. Puis après, on a pu jouer ensemble aussi avec l'équipe première. Et puis on était très 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 complémentaires. Lui il savait comment moi je jouais, et moi je savais très bien comment lui jouer, puisque quand on se connaît depuis l'âge de 15 ans et on a des affinités, puis on a des automatismes qui viennent au fur et à mesure dans aux entraînements et pendant les matchs. Donc on a été très 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 performants. Merci encore. Merci et à vous pour cette belle humilité qui te caractérise. Merci bien. Merci. Au revoir.